ici et maintenant. T'as raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Monsieur Philippe, bonsoir, comment allez-vous ? Ça va bien, bonsoir monsieur Abassi. J'ai une question à vous poser à propos de l'actualité et d'une façon plus générale. Oui Philippe, je vous écoute. À propos de des traditions vestimentaires, avant les années 2000, je faisais des tracting politiques dans les banlieues quand j'étais à l'extrême gauche à l'époque, et dans certaines banlieues, je constatais qu'il y avait des tenues vestimentaires particulièrement exotiques à l'époque, mais même encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était déjà présent dans certaines banlieues. Donc je pense au niqab, donc qui cache le visage et on ne voit que les yeux. Je pense aussi à la burqa, hein, donc le vêtement bleu avec la grille. Et comme on n'en parlait pas aux informations, quand je tombais sur ce genre d'accoutrement, ça m'a particulièrement marqué. Et ça, c'était déjà avant les années 2000. Et donc, je ne parle pas du voile classique, qui est quand même le plus courant. C'est-à-dire le hijab, si je ne me trompe pas, le hijab, que je vois de plus en plus dans la vie quotidienne. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous estimez, vous, du degré de pertinence de radicalisation de quelqu'un qui porte le hijab, le voile classique. Est-ce que ça signifie quelque chose? Et dans le même ordre d'idées, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et dans le même ordre d'idées, qu'est-ce qu'il faut penser de la djellaba et de la barbe? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et j'écoute votre réponse. Je raccroche. Merci. Merci. Philippe, oui, je veux vous répondre. Vous avez la parole au 08 92 ou entre 95 20. Vous savez, déjà, je veux vous dire quelque chose. Nous sommes au 21e siècle et dans le nouveau monde. Nouveau monde de Tesla, nouveau monde de Elon Musk, nouveau monde de virus Corona et le vaccin, Microsoft et toutes les technologies que vous le connaissez ou ne connaissez pas, parce que je sais qu'il y a une partie des gens qui ne connaissent pas. Il y a une partie des gens qui sont fiers de dire que je n'utilise pas l'Internet, je n'utilise pas ça, je n'utilise pas ça. Mais ça existe, malheureusement ou heureusement. Cette civilisation digitale qui existe déjà, capacité de penser des gens n'est pas comme avant. Pour ça, avant, à l'époque, on disait, oh, il ne faut pas dire ça, les gens vont être vexés, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, l'information, il est libre, même si les médias traditionnels ne vont pas vous dire, vous avez accès, vous-même, à la vérité. Vous pouvez chercher la vérité, vous pouvez le trouver. Pour ça, les arguments ancien monde, c'est fini, à mon avis. Les arguments que, oh, il ne faut pas toucher, oh, il faut laisser la liberté de choix, elle a choisi cette estimante, pourquoi vous voulez le critiquer, patati patata. Déjà, je veux vous informer, puisque le plus important, si vous parlez de tchadar, hijab, le voile des musulmans, déjà tout ça, d'origine, n'a pas d'une justificative religion. Ce n'est pas la religion
c'est-à-dire religion de départ. Je ne parle pas des ayatollahs, des muftis, des clergés, de n'importe quelle tendance islamiste, ou islamique, ou musulman. Dès le départ, Mahomet, qui était le prophète de l'islam, sa femme, la plus belle femme qu'il avait, sa préférée, elle s'appelait Madame Aïcha, qui était tellement belle, elle avait 6 ans, la fille de son successeur Abou Bakr. Aïcha, elle avait 6 ans quand il est devenu fiancé de Mahomet, et à l'âge de 9 ans, et elle était sa femme, et il l'a consommée. Voilà. Aïcha ne portait pas le chador ni le voile, et pourtant Mahomet, il le prenait avec lui, il le ramenait dans le bazar de l'époque, bazar à Kaz. C'était comme un Hyde Park d'aujourd'hui, où il y avait des festivités variées, des pièces de théâtre, des chansons, on lisait des poèmes, etc., etc., dans cette souk à Kaz, bazar à Kaz. C'était comme Hyde Park de l'époque. Je crois que maintenant, on n'est plus comme avant. Alors, Mahomet ne mettait pas le voile sur la tête de Madame Aïcha. Aïcha non plus, ne portait pas le voile. Et le voile, origine de voile, notez bien, et grâce à Philippe, je vais vous dire ça ce soir. L'origine de voile, c'est ce que vous voyez sur la tête de Yasser Arafat. Et tous les Arabes d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, de Koweït, vous voyez tous ces gens-là, les Arabes, quand ils mettent leur tradition, leur vêtement traditionnel, ils ont le voile sur la tête. Ce truc-là, tchefia, qu'on met sur la tête, vous voyez, c'est les hommes aussi qui le mettent. Ça, c'était un vestiment, une protection. Hommes, ils portaient dans les déserts. Quand ils voulaient traverser le désert, ils mettaient ça sur leur tête. À l'époque, il n'y avait pas de casque, ni de lunettes, ni de protection qu'actuellement le moteur, par exemple, il met tout ça pour traverser même le désert. Il n'y avait pas tout ça, tout ce progrès d'aujourd'hui n'existait pas. Ils mettaient le voile sur la tête, même Arafat et ses amis, et même les femmes. Et si toi tu étais tellement riche, tu avais le truc qu'on dit Abba, le grand Chanel que les ayatollahs ils mettent, les clergés ils mettent, le grand vêtement là sur le. Quand tu avais cette grande Abba en arabe, Chanel on dit, et ça tu étais mieux protégé qu'une petite voile. Ce qui est devenu chador pour les femmes musulmanes. Alors ça, c'est une tradition de désert, pour traverser le désert. Même quand tu ne traversais pas le désert, tu étais dans la ville de Mecque ou Médine ou d'autres villes d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, de péninsule d'Arabie de l'époque, vous savez, toujours il y avait des tufons, il y avait des tournades, des choses comme ça, et le sable qui traversait les villes même. Alors c'était gênant, on était obligé toujours être armé. Quand vous sortez, il pleut, vous avez votre parapluie avec vous, quand il pleut, vous l'ouvrez. Quand il ne pleut pas, vous le fermez. Le voile et abaye, on le mettait, on le portait avec soi. Et si il y avait des sables mouvants, des choses comme ça, ou des tournades, ou je ne sais pas quoi, on le portait. Alors, c'est-à-dire, il n'y a pas question de religion. C'est une tradition, et cette tradition, bien sûr, je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, était imposée aux femmes du prophète de l'islam, de Mahomet. Puisque dans le Coran, il y a des versets qui ordonnent de vous couvrir. Mais ça, c'était venu après, puisque Mahomet, une fois qu'il avait Aïcha, il avait d'autres femmes aussi, il avait une dizaine de femmes. Moi, j'ai compté environ 40 femmes, mais on va prendre note de 10, voilà. En même temps, il avait 10
femme. Et chaque femme, elle avait une petite maisonnette autour de Kaaba. Et chaque jour, il était avec une femme. Il était avec une femme, Mahomet. Mais, comme vous savez, avoir 40 femmes, ou 10, toujours, c'était un peu gênant pour les femmes, puisqu'il n'avait pas un harem de garder la totalité des femmes dans un seul endroit. Il les gardait chacun indépendamment, et loin de l'autre, dans les petites chambres, autour de Kaaba, à la Mecque. Alors, quand Mahomet n'était pas chez les autres femmes, il ne pouvait pas être en même temps partout, dans 10 endroits il ne pouvait pas être, ses copains, ils venaient selon le Coran et selon l'histoire de l'islam. C'est noté, c'est l'histoire et c'est le Coran. Ses camarades, ils venaient à la maison quand Mahomet n'était pas là, et les femmes qui étaient les plus belles, oh, enfin, toutes les femmes étaient belles, toutes les femmes de Mahomet étaient belles parce qu'il les avait choisies un après l'autre. Il commençait, on dit en arabe, razalet, mais razalet c'est plus important que draguer, c'est-à-dire faire l'amour avec les paroles. Et dans la littérature arabe, vous avez une sorte de poème, comme vous avez les quatrains, ces quatre morceaux, vous avez qasside. Qasside, c'est très long, plus de 20 lignes de poème. Alors, vous avez razal. Razal, que la plupart des fois, les chanteurs, les chanteuses aussi, ils chantent des razal. Razal, razal aussi, il vient de bish, razal, mrazele, c'est-à-dire tu fais l'amour avec les paroles, selon le mot, quand je le traduis d'arabe. Fais l'amour avec les paroles. Ce n'est pas l'amour physique, c'est l'amour avec des paroles. Ça dit razal. C'est des poèmes amoureux. Alors, les gens, les camarades de Mahomet, il entrait chez lui, lui n'était pas là, il commençait à draguer et parler comme si, comme ça, avec ses femmes. Je vais vous donner deux noms que les musulmans ils les connaissent parfaitement. Il y en a un, il s'appelait Monsieur Talha, l'autre Zubayr. Talha, il était récompensé par Mahomet. Il avait un surnom, on disait Talhatul Khair, c'est-à-dire c'était un camarade de Mahomet très important qu'il aimait beaucoup. Mais pourtant, tous les deux, Talha et Zubayr, ils venaient draguer ses femmes. Et surtout, il y a une guerre, juste au départ de l'islam, et quand Mohammed est mort, Aïcha, la femme de Mahomet, il va prendre comme des généraux Talha et Zubayr, il va faire la guerre avec le gendre de Mahomet, Ali. Voilà. Alors, Mahomet et ses camarades, ils disaient aux femmes, par exemple, aux Aïcha, ils ont dit plusieurs fois, aux autres, Maria, c'était une fille éthiopienne très très belle, parce que vous savez, les filles éthiopiennes, africaines, ils sont africaines, mais ils sont très belles, etc. Ils disaient, ah, dès que Mahomet, il n'est plus là, il va mourir, je vais te prendre. L'autre, il disait, non, c'est moi que je vais te prendre. Ce n'est pas des histoires, c'est des historiens arabes ou musulmans qu'ils ont rencontré ça. Alors, Mahomet, quand il a vu tout ça, il devient jaloux. Un jour, il va entrer à la maison et il voit que les hommes sont en train de parler avec sa femme Aïcha, qui était très belle et tout ça. Il va être jaloux, il va les virer et il va dire Yann et ça, Mabi. C'est-à-dire, il va dire écoutez, les femmes de Mahomet, les femmes de prophète. À partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de parler avec les gens, vous devez mettre votre doigt dans votre bouche quand vous parlez, vous ne devez pas ouvrir la porte, et quand Mahomet n'est pas là, vous ne devez pas parler avec ces gens-là, et même Razal, Mourazel, il utilise ces mots-là. À partir de ce moment-là, et voilà, il y a une petite interdiction, et deuxième condition pour interdire ça, deuxième condition, c'est que
Alors, les femmes musulmanes, quand ils sortaient dans le bazar, ont toujours cette histoire pour les autres aussi exister. Alors, les Arabes aussi disaient, Mohamed, écoute, tu vois, pour tes femmes, tu nous as donné des versets comme quoi on n'a pas le droit d'entrer chez toi, on n'a pas le droit de parler avec tes femmes, mais nos femmes, quand ils sortent dans la rue, ils sont dérangés. Me too, histoire de Me too actuellement. Il y a un peu truc islamique dedans. Nos femmes aussi, quand elles sortent, il y a des dragueurs qui draguent nos femmes, etc., etc. Alors c'est là qu'il a appris ici, au départ c'était Yann et ça, Nabi, c'est-à-dire c'était, oh, les femmes de prophètes, après il a élargi pour les musulmans, c'est-à-dire cette deuxième condition pour le hijab. Alors, dans ce monde-là que nous vivons aujourd'hui, nous sommes en France, nous sommes en Europe, vous êtes en Tunisie, en Algérie, vous êtes dans le paradis de Nouvelle-Calédonie, vous êtes à Vancouver, aux États-Unis, il n'y a pas de désert, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas les gens qui ont 10 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Oh, alors, aucun alibi pour garder cette hijab. C'est mon avis, c'est l'avis de David Abbassi. C'est une insulte envers les femmes. Et surtout que quand vous posez la question, il dit, oh, je fais ça pour le Dieu. Alors, le Dieu, déjà, il faut savoir combien de galaxies existent dans notre monde. Des milliards de galaxies, c'est-à-dire des milliards de planètes Terre comme nous. Et, nous ne sommes rien du tout pour le Dieu. Si le Dieu il existait, nous ne sommes rien du tout pour lui, qui lui, il va être inquiet pour mes cheveux, ou les cheveux de ma femme, ou ma fille, ou je ne sais pas quoi, tout ça, c'est une mauvaise utilisation de pensée des gens, surtout dans ce nouveau monde. Voilà mes chers amis, j'espère que Philippe il est satisfait, mais je veux partager l'antenne avec vous, on va vous écouter, vous avez la parole. Vous êtes en train. Alors Michel, bonsoir, comment vas-tu Michel? Ah bonsoir, ça va. Ça va Michel? Alors moi quand... Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. J'arrête quand je veux.